Hey, salut tout le monde, c'est Nos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ezariel, donc la deuxième de la chaîne on va dire. Alors, pas mal de petites choses à vous montrer. Alors déjà bon, on s'est un peu agrandi. On avance à notre rythme, pour l'instant c'est sans pression. Voilà, on avance et c'est très bien comme ça. Donc en gros, on a commencé par, donc ça vous l'avez dû le voir dans la dernière vidéo, on avait fait la partie basse là, et depuis du coup on a commencé à faire quelques fermes, alors pour l'instant c'est pas encore immense, et ça prend du temps si on veut protéger le tour, donc bah voilà, ça prend pas mal de temps, donc bah, on avance à notre rythme, hein. Mais on avance, donc c'est déjà le principal. Hop, je vais en profiter pour replanter ça, tac. Donc, on a un début de farm. Moi, j'ai aussi récupéré le grade youtubeur, vous le voyez à droite. Et l'avantage du coup du grade youtubeur, c'est que il me permet. Alors, attendez. Ah non, il faut passer par le menu. Tac. Et avec le menu, on a ça. Et là, on a les métiers. Et donc, à la base, dans la première vidéo, je sais pas si vous vous souveniez, j'avais choisi la pêche. Donc je l'ai toujours gardé, sauf que maintenant l'avantage avec mon grade, c'est que je peux choisir jusqu'à 3 métiers. Donc j'en ai profité pour prendre le métier de mineur et le métier de farmer. Bah de fermier quoi. Donc du coup comme ça on gagne un peu, je gagne un peu plus avec ces trois options là. Les autres elles étaient un peu. Au pire ça aurait pu être bûcheron mais c'était un peu compliqué. Donc voilà, et au-dessus on a encore un étage qui avance voilà tranquillement. Et je pense qu'on va continuer de monter. Et un autre projet que j'ai commencé hier au moment où je tourne cette vidéo, où je pense que je vais essayer de faire, mais il me va falloir les ressources, donc ça va prendre un peu de temps, bah, il va me falloir surtout de l'obsidienne, de faire un chunk à cactus AFK en gros, où ça pousse tout seul et potentiellement on attend là, tout tombe ici, et on n'a plus qu'à récupérer là pour vendre. Je pense que ça peut être intéressant. Je vais remettre d'ailleurs mon armure au cas où. Tac. Je pense que ça peut être intéressant, surtout que bah, ça demande pas d'effort pour faire un peu d'argent, donc c'est surtout ça qui peut être intéressant. Le prix est pas ultra haut à vendre, mais bah, au pire ça coûte rien, mis à part la mise en place quoi, donc pourquoi pas. Quelque chose que vous aviez pas vu dans la dernière vidéo, puisqu'il était pas en place quand j'avais tourné, c'est du coup, depuis le 10 de mémoire, il y a le pass. Donc, on a les récompenses soit en premium, soit en classique. Si ça vous intéresse, le pass premium il coûte 10 euros, donc ça va, c'est pas la folie. Donc, on a des récompenses en premium, voilà, plein de, vous voyez, il y a plein de trucs. Et après, moins forcément en gratuit, c'est logique. Et si je passe après, donc ça c'est la durée du pass, ok, et c'est surtout ça. Donc, en fait, chaque semaine se débloque un lot de quêtes. Gratuite, plus potentiellement si vous avez le pass payant premium, deux ou trois quêtes voilà de VIP quoi. Donc c'est des quêtes qui sont souvent des fois assez simples. Typiquement comme là, ouvrir le menu, bon bah voilà, j'ai récupéré mes points et voilà, ça a été rapide. Miner du fer, bon bah il y a des quêtes qui sont assez faciles. Comme là par exemple, parler 300 fois dans le chat. Alors en soi, dans l'idée, ça peut être assez simple. Faut juste être raisonnable pour pas faire du spam. Moi, vous allez me dire comment j'ai fait pour l'avoir. Bah, en fait, à un moment, je me suis connecté assez tard dans la nuit, il devait être 1h30 ou 2h du matin. Et du coup, j'ai dit, allez, on va en profiter. Il y avait que moi sur le serveur, justement, parce que bah, vu que c'est le début du serveur, y a pas ça vient tranquillement. Et du coup, bah, j'en ai profité pour spam 300 fois dans le chat. Voilà. S'il y avait eu quelqu'un qui l'aurait vu, j'aurais pu me faire ban, là, c'était sûr. Infliger des dégâts, j'en ai fait un petit peu, non pas qu'on se soit battu réellement pour des attaques ou choses comme ça. En fait, il y a une semaine maintenant, on s'est amusé avec certains membres qui étaient connectés à faire du duel, et du coup, bah, ça compte dedans. En plus de ça, j'ai été bon, puisque j'ai dû faire 4 duels et j'ai dû en gagner 3. Ça m'a étonné, hein, mais j'ai dû en gagner 3, donc c'était cool. Et en plus c'était plutôt bien fait puisque si ça vous intéresse de savoir, même si le serveur est en un 17 ou un 16.5, je sais plus, c'est quand même le PVP de la 1.8, pour ceux que ça intéresse qui sont experts en PVP contrairement à moi, c'est quand même le PVP de la 1.8 et franchement c'était vraiment cool. Franchement c'était fun. Pour une fois j'ai pris du plaisir à faire du PVP, notez-le, c'est pas tout le temps, hein. C'est pas souvent même. Donc voilà, globalement pour ça.
Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc oui, je pense que je vais faire une ferme à cactus. Le souci, c'est qu'en fait, il faut que je trouve un moyen d'aller dans les monts de ressources pour générer de l'obsidienne. Mais bah, faut trouver un endroit où il y a de la lave, donc c'est pas évident. Et donc bah voilà, c'est un peu, c'est pas simple, quoi. Il y avait autre chose que je voulais vous montrer. On a des chiens, super. Non, il y a un membre, bah il y a un joueur du serveur qui est venu l'autre fois et qui m'a dit: oh, j'ai une ancienne base, j'ai plus rien, bah j'y suis plus, tu peux venir récupérer des trucs. Donc il m'a TP. Et on avait ce stuff là en partie, et il y avait surtout un peu de tout ça là. Donc au final, ça m'a pas mal aidé, j'ai récupéré des trucs que j'ai pu vendre, c'était vraiment cool. Et voilà. Et d'ailleurs, je dois avoir des clés à récupérer. Non, j'ai pas de clé, c'est étonnant. Pas que j'avais voté. Alors attendez, je vais aller voter et on se retrouve juste après. Donc c'est bon, j'ai récupéré mes clés vote. Donc on va pouvoir aller les ouvrir, voir ce qu'on peut récupérer. Parce qu'en fait, les clés votes sont quand même utiles puisque dedans on a l'obsidienne. Donc moi l'obsidienne, j'en veux bien. Ils ont aussi réduit le temps de TP puisqu'en fait on était à 10 secondes avant, c'était long à attendre. Et au final, ils l'ont modifié et ça c'est vachement bien. On va aller ouvrir tout ça. À savoir aussi, du coup, si ça vous intéresse. Alors pour l'instant, moi le faction, je suis un peu perdu. Je sais pas. Je sais pas. En fait, c'est pas que je sais pas quoi faire, mais pour l'instant, je commence mes farms, mais j'ai pas plus d'objectifs que ça. À l'inverse, par contre, Ezariel, donc le serveur global, en gros le multi-option, on va dire. Sont déjà en train d'attaquer sévèrement leur skyblock. Ce qui fait que je pense que si dans quelques semaines je suis encore pas le plus inspiré sur les objectifs en faction, je pense que du coup peut-être qu'on en profitera pour passer la série faction où je suis perdu sur une série skyblock pour la découverte et quelques épisodes, je pense. Ça, on a eu quelques teasers du Skyblock sur le Discord. Ça a l'air sympa, donc je pense que ça peut être cool. Auquel cas, peut-être qu'on migrera la série faction sur du Skyblock, à voir. Bon, qu'est-ce qu'on a gagné de beau? Oh, une houe de bienvenue. Fortune 9, solidité 9. Cool. En fait, le seul truc qui m'intéresse, est-ce que c'est une houe classique ou est-ce c'est un truc en 3x3 ou... Je sais pas en fait ce qu'il y a comme item de ce principe-là. Donc ça veut dire que là, si je fais ça... J'en avais 5, si là je fais ça... Bah, je sais pas, il y a la main, c'est plus simple. Donc voilà, si vous voulez venir participer à bah, ou jouer sur le serveur, je vous mets comme d'habitude les infos en description. Il se peut que des fois, sur certaines vidéos, j'oublie de les mettre. M'en voulez pas, au pire, n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous l'avez pas. Mais voilà, il se peut que des fois, j'oublie de les mettre. Donc si ça vous intéresse de rejoindre les Ariel, bah, je vous mets les infos en description. Je pense qu'au final, j'ai pas plus d'infos que ça à vous dire. On a fait le tour. En gros, là, principalement en ce moment, le sujet, c'est augmenter les farms. Et comme je vous dis aussi, j'essaye de m'occuper du pass. Parce qu'en fait, la plupart des choses coûtent pas grand-chose. Vous devez manger des pommes. Remarque, ça se trouve, on pourrait le faire là. Ça se trouve, on a des pommes ici. Est-ce qu'on a ça? Et moi, ouais, il va pas considérer les pommes dorées comme ça, je pense. Bon, tant pis, j'ai pas de pommes, mais voilà. Le pass en fait est vraiment bien parce que déjà on récupère des points juste en se connectant chaque jour. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et après, toutes ces petites quêtes, la plupart sont vraiment pas difficiles. Bon, là, je vous avoue, j'enchanterai pas 30 livres, flemme, mais par contre, elles peuvent être faites plus tard aussi, donc ça, c'est intéressant. Vous devez effectuer une transaction avec Yann Dubois, bah, je sais pas qui c'est, mais c'est sûrement un PNJ du spawn. Là, c'est ce que je disais, il manque une trad, mais en gros, là, on peut voilà, casser de
tac tac tac. Vous devez casser une pioche en or en minant. Voilà, c'est ça. Placer de l'obsidienne, bon bah comme je vous dis, pour l'instant le problème c'est que j'ai du mal en récupérer. Donc bah, je pense que ce qu'il va falloir que je fasse d'ici au prochain épisode, c'est aller chercher des endroits où il y a de la lave dans le monde. Donc bah dans le mince, comment on appelle ça, dans le monde ressources, pardon, bah dans le monde, ouais, dans le, ouais, voilà, vous avez compris, je vais le trouver en minage, voilà, c'est ça. Et en minage, je pense que je dois pouvoir trouver, en baladant avec mon seau d'eau, je vais prendre l'épée quand même au cas où. Hop là. Bon bah comme là il fait nuit, peut-être pas y rester longtemps. Ok. Bon. Il faut retourner chez moi, j'ai pas envie de mourir. Ah quoi qu'il y a peut-être pas de mob, si il y en a peut-être, mais voilà, je pense qu'il va falloir que je trouve des endroits où il y a de la lave, et beaucoup. Pour pouvoir arriver à avoir autant d'obsidienne que je voudrais, parce que là en fait je suis limité à cause de l'obsidienne, puisque le problème c'est que si je continue de build sans obsidienne, on va avoir des gens qui vont potentiellement creuser comme ils pourraient le faire ici, et bah on prend le risque potentiellement aussi de se faire piller. Donc j'aimerais avancer que quand on a l'obsidienne, mais bah du coup ça complique quoi. Donc bah on verra bien. En tout cas on va pouvoir se laisser là dessus voilà, si le faction ça vous tente, n'hésitez pas, ou si bah prochainement le Skyblock ça vous tente, je pense que la majorité d'entre vous est principalement Skyblock, bah n'hésitez pas à rejoindre au pire le Discord, soit à venir découvrir le faction, et puis bah le Skyblock de toute façon, j'ai pas plus d'infos officielles, mais je pense qu'il arrivera assez rapidement, puisqu'ils ont déjà bien avancé dessus. Ils estimaient, je crois, être à environ 80%, 70-80% du Skyblock. Donc ça veut dire que je pense que d'ici un mois environ, à mon avis, le Skyblock devrait sortir. Donc voilà, si vous voulez suivre les infos, bah, n'hésitez pas au pire à rejoindre le Discord. Et puis on va pouvoir se laisser là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Aussi à passer faire un tour sur la chaîne Twitch en ce moment, puisque je vais être amené à live, quand cette vidéo sortira, je l'aurai déjà fait, à live les samedis pour la saison 2 Asphax & Co 3, bah saison 3. Sur laquelle on va prendre beaucoup de plaisir. Voilà. N'hésitez pas à passer faire un tour aussi sur la chaîne Twitch. Et puis du coup, à pouvoir cesser là-dessus, je vais vous dire à la prochaine. Salut tout le monde, c'était Nos. Salut.